What's going on, guys? Ça va faire des années que j'ai pas dit ça en intro. Donc on va faire un peu plus de résistance. J'avais envie de montrer ma net parce que ça risque de changer, parce que je vais le dire. Ça va faire au moins 10 ou 15 matchs que je fais où j'arrête pas de gagner, je les massacre les gens. Bon, après, le problème c'est que je tombe souvent sur des bas niveaux. Alors ça, je comprends pas vraiment depuis cette mise à jour, c'est très très étrange. Il y a au moins, genre, il y a maximum 1... Niveau 30 dans l'équipe, puis après c'est du niveau 2, 5, 7. Voilà, donc 2, 5, 7, qu'est-ce que... 2, 5, 7... Je pense pas que ça soit après des gens qui soient complètement nouveaux au jeu. Donc je pense qu'ils ont déjà des persos haut niveau, donc ils peuvent récupérer par exemple les niveaux 3, genre gilet pare-balles niveau 3, etc. Et entre 5 et 10, ils peuvent mettre, je crois, peut-être 5, 6 points, 7 points d'équipement, je crois. Donc, ils peuvent quand même mettre des trucs. Donc, c'est pas des survivants nuls. Mais c'est vrai que, ouais, c'est un peu bête de tomber tout le temps sur les bas niveaux là en ce moment. Surtout que je voudrais bien tester ma net contre vraiment une bonne équipe. Donc, voilà. Mais en tout cas, on va montrer la net. Donc, elle est niveau 29 maintenant. On a monté très, très vite. Alors, on utilise toujours ça, ça n'a pas changé grand-chose, mais je voulais un peu montrer plus en détail en fait le build, et parce que ma façon de jouer a un peu changé aussi. Il y a les clones que j'utilise pas énormément, les clones je sais pas avec quoi les remplacer. J'ai envie de mettre des zombies costauds infectieux. Alors on peut changer, on peut mettre ça peut-être, tester un peu. Alors, ces bonus marchent extrêmement bien. Alors, mon gameplay maintenant avec Annette, c'est de complètement utiliser et faire gaspiller les ressources des survivants. En gros, c'est que de ça. C'est vraiment gaspillage de ressources au maximum, au maximum. Et ça le fait très bien avec le régène sur les zombies costauds. Les zombies costauds sont extrêmement tanky maintenant avec la peau dure et... ça, l'amélioration augmente grandement les PV de créatures. C'est énorme, ils peuvent vraiment prendre énormément de balles. Et surtout, ce qui est bien au début, c'est que les survivants en fait n'ont pas d'armes super OP dès le début. Donc du coup, ils gaspillent énormément de balles, on les touche, donc ils gaspillent du soin. Donc en gros, ils sont très mal en point. C'est ça mon but, c'est vraiment de gaspiller... Pardon, excusez-moi. De complètement gaspiller leurs ressources dès le début sur la première zone. Et après, ça dépend. S'ils sont bons, on les attaque vraiment méchamment. S'ils sont genre normaux, genre bas niveau, on les laisse passer à la zone 2, même à la zone 3. Puis après, on les finit là-bas. Et après, il y a aussi, donc maintenant, on a Birkin avec augmentation de la durée de l'arme biologique. Je vais essayer de le montrer avec dans une partie. C'est vraiment pas mal aussi parce qu'on a deux atouts qui permettent à Birkin de rester longtemps, de 1. Et après, quand on tue quelqu'un avec la chope, on récupère du temps sur Birkin, donc il reste encore plus longtemps. Donc les gens sont en panique, les gens sont en train de courir partout, ils perdent beaucoup de temps. Et surtout, vu qu'on essaye tout le temps de choper les gens, ils utilisent énormément de grenades étourdissantes, leur habilité, les grenades normales, les armes spéciales. J'ai même eu des gens qui avaient trouvé donc un zombie coursier et ils avaient récupéré un lance-acide dessus. Et du coup, en fait, j'y suis allé avec... en premier, c'était quoi? Un zombie, je crois, costaud. Je crois pas que j'y suis allé avec Berin. Je crois que j'y suis allé simplement avec un zombie costaud. Et le truc tankait des tirs d'acide. C'était incroyable de voir. Il tankait des tirs d'acide. Normalement, les grenades d'acide, elles font 1800 de dégâts. Je crois, par là, 1500, 1800. Et ça one-shot la plupart des zombies. Et là, ça le one-shotait pas. Il s'est pris deux tirs d'acide. Et le truc, il était toujours vivant. Parce qu'à chaque fois, il se régène. Et les boosts de Annette sont aussi boostés, du coup les boosts de redonnent encore plus de vie, sont encore plus agressifs les trucs. Donc vraiment c'est des super tanks les machins, c'est un peu abusé, c'est marrant à regarder. Parce que les survivants sont complètement à gaspiller leurs ressources et leurs munitions. Donc on va voir comment ça va se passer là maintenant. Mais c'était vraiment cool à voir, c'était vraiment cool à voir. Et encore comme j'ai dit après, vous avez Birkin qui reste extrêmement longtemps et qui fait encore gaspiller plein de ressources. Genre lance-roquettes et tout ça, les gens ils y vont à fond. Mais Birkin, il est instoppable, donc c'est vraiment cool. J'aime beaucoup le deck et le build, mais il faudrait qu'on tombe sur une équipe qui soit au moins 20 ou 30 pour voir un peu ça. J'ai eu des gens qui évitaient de combattre les monstres quand ils ont vu que les monstres étaient extrêmement tanky. Ils sont allés directement pour les objectifs, donc ces gens-là peuvent être des problèmes si on en a 4 qui fait ça, qui courent.
Mais bon, s'ils courent, ça veut dire qu'ils vont pas trop faire attention, donc on peut les bloquer dans des coins et les prendre en embuscade, donc voilà. Donc je pense qu'ils sont obligés quand même de combattre. Et vu qu'on a doublé les HP x2, on a doublé les HP x2 des zombies et des créatures en général, elles peuvent ça peut tanker des grenades, ça peut tanker des molotovs, ça peut tanker énormément de choses. Donc voilà, je suis vraiment content, vraiment cool. On va partir dans un match et on va voir ça en live. Et on a un match. Presque 10 minutes pour le trouver celui-là. Alors que ça allait vite avant que je commence la vidéo, honnêtement. J'ai trouvé entre 5, 7 minutes maximum, là 10 minutes. Enfin bref, c'est juste quelques minutes en plus. Le parc. Je fais tout le temps le parc. Il y a toujours les mêmes qui reviennent, c'est un peu bizarre. Alors ce qu'on va faire. On a deux liqueurs ici. On va les buffer. On va voir un peu l'équipe. C'est la première fois que je vais utiliser le gros là, gros infectieux, donc je sais pas trop comment ça va se passer. Normalement j'ai le clown qui est 4 points aussi, donc du coup ça va peut-être déséquilibrer un peu mon compte rendu des points. Regardez, 18, 8, 1 et 9. Ouais, d'accord. On va buffer les liqueurs, s'ils passent les liqueurs ça sera déjà bien. Aussi le build que j'ai fait, du coup, vu que les ennemis sont très résistants, honnêtement, c'est méga rush kit. C'est très très rush kit, les gens rush kit dès le début. Donc, c'est un problème. C'est un petit problème. Ouais, il faudrait les buffer. Oh, parfait. Parfait. Il nous faudrait absorption. Ben voilà, c'est bon, ils ont les 3 buffs. Bon, les mecs, déjà, ils ont entendu les liqueurs, ils sont restés, c'est déjà bien. Ils ont encore 2 clés à récupérer, c'est quand même beaucoup. Ils ont encore 2 clés à récupérer. On leur fait peur en fermant la lumière et tout ça. Ah, pourquoi tu rallumes ? Saloperie. Plat niveau 2. T'es sûr que tu veux y aller tout seul ? Ouais, attends, ouais, c'est mieux. Ouais, ouais c'est mieux. C'est mieux d'y aller. Putain, c'est peut-être un peu trop là, on va voir. On va arrêter de faire spawn des trucs. Berserk Jamie. On va arrêter de faire spawn des trucs, on va voir comment ils ébrouillent les gens. On va aller contrôler un des zombies. Il y a un boss bordel. Taking aim! Mets-toi à l'abri quand tu vises. Oh. Regardez-moi combien de dégâts il va tanker, le gros. Regardez-moi toutes les balles qu'il absorbe. Toujours pas mort, hein. Toujours pas mort. Toujours pas mort. Toujours pas mort. Attendez, on va faire venir. Merci d'avoir ouvert la porte. Vous avez vu toutes les balles qui tankent, le costume, c'est énorme. Bon, par contre, il y a l'autre qui stunlock mon liqueur, j'aime pas trop ça. Oh, l'autre elle a pris une des pièces. Il y a Becca qui est pas conne. Ça va, les gens ont l'air de. Oh, le liqueur il s'est complètement bloqué. C'est un beau utile. On va les laisser partir. Enfin, on va peut-être réduire un peu leur temps parce que. Je veux pas dire. Mais... Ah, je suis pas très content. Je suis pas très content, c'est surtout du liqueur en fait. You continue to resist. You will not survive much longer. Fix this myself. Ah, mon
15 secondes. Bon, je suis vraiment pas content de l'autre con de liqueur là. Vous voyez pourquoi il y a plein de problèmes avec l'IA? Genre le liqueur s'est complètement bloqué comme un débile. Ils ont eu vraiment de la chance. Ils ont 2 minutes, normalement ils devraient avoir genre 1 minute. On va y aller costaud maintenant. Ils ont 4 minutes en tout. On va y aller costaud. You may be slightly near me to Peter, but I will not. On a eu un zombie avec l'aura berserk. Je voudrais bien avoir le soin. Bon bah d'accord, on va me faire foutre apparemment. Ouais, on va bouger notre truc, le temps qu'ils ouvrent la porte et tout ça. Ah, ils devraient peut-être avoir des grenades et tout ça, donc ça va vite se régler. Mais faudrait qu'on buff nos bestioles. Ouais, on n'a pas le soin. On n'a pas la régène sur les bestioles. Ah, ça y est. Voilà, enfin. Ouais, ben putain. Continue à aller. Pas mal. Ouais, ils avaient pas les soins dès le début. On va se mettre là, on va le cacher. Pas mal. Du coup, vous allez m'énerver. Alors un truc qu'ils vont faire, ils ont trouvé le zombie. Non, ils l'ont pas trouvé tout quoi. Ils savent pas qu'il est là. Ce qu'on peut faire, c'est on peut s'amuser avec Birkin. Tada! Coucou, ça va? William. Ouais, c'est là. Ah, très bien. S'ils ont pas de stun, on va pouvoir le tuer. Regardez-moi toutes ces balles qu'ils utilisent. Regardez la barre, vous avez vu la barre comme elle a remonté quand on vient de tuer quelqu'un. Ok, suivant. On va garder Birkin jusqu'au max, jusqu'au... T'essayes vraiment de faire ça? Ah ouais, t'es vraiment en train de le faire en fait. Regarde, tu connais ça? Tu connais ça? Ah, l'autre, y'a... Oh, bien joué mec. Rien que pour ça, tu vas mourir. Regarde, tu la connais celle-là? Shazam! Vas-y, fais ton Shazam du con. Ouais, regarde avec son couteau l'autre. Vas-y, ouais. Vas-y. Regardez la barre, elle va remonter. Ah, ça y est, elle a trouvé l'autre zombie là. Ah, il est toujours là le zombie. Non, il est toujours là, William. Toujours énervé. Pourquoi vous fermez la porte comme ça? C'est très mal. Oh putain, le zombie, ouvre la porte. Ouvre la porte, le zombie. Quel boulet. Alors, tu vas voir avec ton Shazam, toi tu m'as énervé. Toi. On va lui marcher sur la mine, pas de problème. Oh. Eh ben voilà. Oh mon Dieu.
C'était assez drôle. C'était assez drôle. Merde, j'ai loupé. Ah, la balle illimitée. Bien joué. Bien joué, mais c'est pas suffisant d'être déjà mort. D'être déjà mort. On va lui sauter dessus, elle. Oui. Ah, putain, la colle. Ah, bien joué. Oh, ils t'ont laissé. Ça va faire moins de 15 secondes. C'est vraiment con, hein. Ils vont pas y arriver, on a gagné. Oui. Ah, j'ai loupé. Donc, vous voyez, la chose qu'on fait, c'est que... on a des monstres quasiment invincibles, en fait. Enfin, quasiment. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai ce que je dis. On peut les tuer... On peut les tuer même facilement quand on utilise les bonnes choses. Donc ça passe. Bon, après, on avait encore des niveaux assez bas. Donc, on peut les tuer. C'est juste qu'au début, genre la zone 1, il n'y a pas grand-chose pour combattre. La zone 2, c'est un peu mieux, mais ils n'avaient pas non plus des armes énormes. Mais vous avez vu qu'ils ont quand même tué des bestioles. Et puis après, vous rajoutez le fait qu'il y ait Berkin qui reste très longtemps. Les gens, ils ont dû péter un câble de voir tout le temps Berkin, en fait. De le voir qui partait pas. Surtout qu'on a tué deux personnes avec Berkin, donc à chaque fois on gagne directement 30 secondes. Il y a beaucoup de gens qui arrivent pas à stopper Berkin, savent pas comment le faire. Il paraît qu'on peut le stun en tirant dans l'œil. Honnêtement, j'ai jamais vu. Depuis que je joue, ça fait plus de 60 heures que j'ai sur le jeu, j'ai jamais vu une personne stunner Berkin en lui tirant dans l'œil. J'ai jamais vu ça. Alors peut-être qu'il faut des armes genre Magnum ou des grosses armes comme ça, mais j'ai jamais vu ça. J'ai vu seulement être stunné par le flash de Martin, le coup de pied de Tyrone. Après, tout ce qui est grenade flash, oui, ça passe. Mais voilà, vous avez vu que Berkin, il reste pas stunné longtemps, donc voilà. Donc la plupart du temps, quand vous êtes en train d'écraser la tête à quelqu'un, la personne va mourir. S'il n'y a pas Tyrone, s'il n'y a pas Martin, la personne va mourir. J'ai beaucoup aimé quand il y avait Martin qui faisait Shazam avec son truc de stun. Et ce con, il est resté loin, il s'est dit « Ouais, c'est bon, Berkin, il va disparaître. » Et on lui a écrasé la tête. C'était drôle, c'était bien drôle. Mais voilà, bon, on va couper ça, et on va refaire un match, un nouveau match. Oh. Ah bah merde, on a déjà un match. Ah, oh, putain, encore ça. Excusez-moi, j'ai dit qu'on allait couper pour trouver un match, et du coup, j'ai commencé à manger un petit bout, et puis... Au final, en bout de 30 secondes, on a trouvé un match. Je suis pas encore très très convaincu du... du gros avec son gaz. À la limite, je dirais oui, parce que c'est vrai que les... Ils ont pas beaucoup de vie, les clowns. Je pense qu'ils ont la vie normale d'un zombie genre normal. Je pense que la croupière aussi, c'est un zombie normal. Sauf que la croupière, vous avez vu, elle a l'attaque où elle peut sprinter, sauter sur une personne. Donc même s'il n'y a pas Berserk, on peut utiliser ça. Mais c'est vachement utile et ça fait énormément de dégâts en plus qu'elle tape plusieurs fois. Donc à chaque fois, ça fait genre, je crois, moins 5 secondes à chaque fois qu'elle tape. Ah, donc vraiment bien. Donc j'irais à la limite, oui, les deux gros, oui, ça passe. Ça passe même que... Mais bon, l'autre, c'est quand même 5 points. Bon, 4 avec le truc. Alors, on n'a pas déjà joué contre... Ouh, c'est une bonne équipe. Ok. On risque de... On va voir. Vu que le jeu est pas balancé, il est bon pour les survivants. C'est une très très bonne équipe. C'est une très très bonne équipe. Becca, Tyrone, Valérie, Martin. C'est très très bon. Ok. Alors eux, on va faire attention. Waouh, ils sont déjà là, on n'a pas le régen. Vas-y, ouvre la porte. Voilà.
Très bien. Yes, bien bien, régène, parfait. Bon moment. Très bien, t'as voulu rush, ça marche pas. C'est court, hein. Il est mourant. Faut le stimulant. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, les autres zombies et tout ça. Je crois qu'ils sont en train de faire un bon boulot. Je crois qu'ils sont en train de faire un bon boulot. Ils ont les trois clés par contre. Il faut prendre le contrôle d'elle. Oh, ok. Eh ouais, c'est con, hein. Ils sont où les autres? Ouais, ils sont en train de... Très bien, on l'a mis derrière, on l'a mis par terre, lui. Même pas? Ok, très bien. Toi, tu vas rester avec ton copain zombie. Ah, très bien. Ah, c'est une bonne équipe, là, donc j'y vais à fond, hein. Ils ont pas tué les trucs encore. Ouais, c'est bon, on a gagné. Ah, j'ai loupé. Tiens, avec ton cocktail, ce que j'en fais de ton cocktail. Je te saute dessus en feu, moi. Ah, très bien. On peut danser. Oh, on peut pas. Vas-y, partez. Mettez les pièces! Mettez les parties! Arrête de taper, abruti Tyrone! Va mettre tes... Oh le con, Tyrone, il va les faire perdre. Il les a fait perdre. Il avait les deux pièces manquantes, en fait. Donc il aurait pu complètement les mettre et partir. Et... Mais à la place, il est allé combattre. Bon, ben, j'ai l'impression que ça marche bien aussi contre les... contre les équipes haut niveau. Je dirais. Parce qu'on a vu qu'il y avait Tyrone, il y en avait d'autres aussi qui essayaient de rusher les pièces. Et c'est ce qu'ils ont fait, hein. ils ont bien joué. Mais au final, on les a rattrapés, quoi. Surtout que les autres n'ont pas pu tuer, vu qu'ils étaient séparés. Parce que t'en as un qui va chercher une pièce, t'en as l'autre qui va chercher à droite, à gauche. Du coup, ils peuvent pas, ils sont pas combinés, en fait, pour détruire nos monstres. Et ils ont laissé les liqueurs et tout ça en vie. Donc ça passe. On fait encore une autre partie. On va peut-être lancer encore une autre partie. mais voilà. Donc ce qui est bon à reprendre, enfin à prendre en tête. Vous avez vu le temps qu'ils avaient. Ils ont trouvé les trois parties alors que nous on avait des liqueurs tout buffés, et des zombies tout buffés. Et ils avaient trouvé les trois parties, les trois pièces. Ils avaient encore genre 3 minutes. Donc ils auraient pu passer à la zone 2 avec genre 6 minutes. Mais quand vous avez des équipes comme ça et qu'on arrive à les bloquer ou à en bloquer un ou deux. Vous pouvez gagner du temps en faisant les shops. Choper et faire l'attaque de la zombie, la caissière. Pas la caissière, la fille du casino. Là. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal pour essayer de gratter leur temps en fait. Mais voilà, vous avez vu que, encore une fois, c'est très très côté survivant je dirais ce jeu. Parce que vous pouvez complètement rusher les objectifs. Et il n'y a pas grand chose qui peut vous arrêter en fait de rusher les objectifs. Vu que l'IA n'est pas extrêmement intelligente, si vous ne contrôlez pas vous-même vos monstres, c'est mort. C'est mort de chez mort. Et les liqueurs peuvent se bloquer aussi bêtement comme on a vu dans le match précédent. Donc voilà. Mais bon, je suis content. Là, on a combattu une bonne équipe. J'y suis allé franco. Ils ne sont pas passés la première salle, enfin la première zone. Et même s'il l'a passé, il l'a passé vraiment avec très très peu de ressources parce qu'ils n'arrêtaient pas de tirer, d'utiliser leurs soins. Ils avaient vraiment plus grand chose de disponible. Donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. On va faire encore un autre match, on va zapper le chargement et puis on va passer à l'autre match. Et on est reparti. Encore le casino. Le labo, on l'a pas fait, je crois, dans les vidéos. C'est très bizarre à chaque fois. À chaque fois, on tombe toujours sur les mêmes. Même moi, le labo, j'ai dû le faire une fois en 20 parties. Bon, on va refaire la même chose. Comme j'ai dit, si ce sont des niveaux bas, genre en dessous de 10, on va y aller doucement. Si ce sont des niveaux 30, etc., on va vraiment leur faire très mal.
Ouais, c'est pas mal. Eh, depuis que j'ai balancé la vidéo, que j'ai commencé, on a du bon niveau. Enfin, on a un niveau 2. Un niveau 2. Un niveau 2. Très bien. Ah, comme ça, ça serait des super tanks et on va pouvoir récupérer plein de bioénergie. Il nous faudrait un berserker maintenant. Not lethal by itself, but it should buy me some Très bien. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. And I shall. Your continued efforts only place humanity in greater danger. Ok, avec ma caméra, je te dirai rien. Even as you fight, on va en mettre un vers l'arrière. On va voir, on va garder le. On va garder la bioénergie. Ok, ok, ok. I have other cameras. Parfait. Ils sont tombés dans notre piège. Faut pas qu'ils voient que j'utilise cette caméra, sinon ils vont me la détruire. Ouais, regardez celle-là. Ok, très bien. On va faire ça. Ah merde, elle m'a vu. Ah, regardez-moi ça, les trois ils sont à l'avant, l'autre elle se fait manger. C'est énorme. C'est énorme. Elle a pas berserk donc elle met du temps à se lever. Est-ce qu'ils ont tué le liqueur? Pas mal. Ah, comme ça, ils auront pas les bonus. This will be over soon. Ah la vache, stun de merde. Il est où l'autre Tyron? Ils sont tous les quatre dans la salle. Ils ont pas quasiment plus de munitions, je pense. Allez, bouge, le stun il dure 3 ans quoi. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de malade ce stun. Utilise toutes tes balles. Bon bah reste là. Reste là, qu'est-ce que je te dise. Tu restes là mec. Regardez, y'a personne qui va le chercher. J'ai entendu ton truc. Tu l'as mis par terre. Regardez-moi ça. Ah, c'est pas beau ça? Oh putain. Ah, ça me fait rire moi. Non, tu restes. Tu restes dans la salle. Oh non, il a un zombie avec un coffre. Ah, il a plus de balles. Non, ça me fait rien le feu, t'inquiète pas. Eh ouais, c'est con hein. On va te manger. Tu fais perdre du temps à ton équipe, c'est bête hein. C'est vraiment bête hein, de faire ça. C'est vraiment... c'est égoïste. Honnêtement, faire perdre du temps à son équipe, c'est très très égoïste de ta part. Oh, elle a traumatisé Martine. Ça va, ils ont qu'une seule minute pour la zone 1, donc ils vont avoir 3 minutes en tout. Oh, on l'a traumatisé le petit. Ah, oh, c'est énorme, j'adore être méchant.
Donc là, ils vont se prendre deux liqueurs sur la gueule directement pendant que nous, on va bouger lui, là, ce con. Oh, pourquoi j'ai des... Europe de FPS ou fin du lag, ça saccade. On va voir un peu combien de temps on récupère avec les liqueurs, mais la ils sont pas boostés, donc ils vont pas faire grand chose. Ils vont sûrement gagner, ils vont sûrement les tuer facilement, donc ils vont gagner 30 secondes en tout. Mais ils sont un peu déstabilisés. Ah, moins 4 secondes, ça a touché. Ils sont déstabilisés parce qu'ils peuvent pas aller dans la boîte et tout ça, donc ils sont obligés de les combattre. Il en reste encore un de liqueur. Vous voyez, ça nous fait gagner énormément de temps de faire ça. Genre comme ça, lui, on peut le mettre très loin avec sa carte de crédit, là. Voilà, très bien. Et on a William qui est prêt. On peut aller directement les voir avec William. C'est ça qui est un peu magnifique. Ça, on va l'enlever. On va utiliser William dans cette salle. Ça sera plus drôle. Ah, bien joué. Change the balance here. On ferme la porte. On va faire un petit cadeau. Ouais, c'est l'heure. Bonjour, ça va? C'est bon, on en récupère une. Tain, ta 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 ta. Ouh, bien joué. Elle va se faire réanimer par le truc directement parce qu'il y a son soin encore, je crois. Putain, il nous faut du temps pour William. Viens ici, viens, donne-moi ta tête. L'autre, elle est par terre, elle est dans le rouge. Elle arrive pas à se faire aider. Il y a January qui est bloqué par les zombies. C'est bon. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Oh, ça m'a fait rire avec Martine. Yes, niveau 30. Est-ce qu'on a débloqué des trucs? Je crois que ça s'arrête. Oh, non, ouais, ça s'arrête, on débloque plus rien. Martine, c'est Fuzz Breeze. Ok, il faut que je regarde son Twitch. Il faut qu'on aille regarder son Twitch. Je vais le faire du côté. Mais voilà, ça serait... C'était nos canettes. Vous avez vu comment il était bloqué, Martine, comme il avait peur. Donc c'est Annette. C'est Annette, elle est comme ça maintenant. Et elle est vachement bien. Je la trouve vraiment très puissante comme ça. C'est surtout la façon de jouer aussi qui est utile, hein, qui y fait. Parce que si vous utilisez genre des petits zombies et tout ça, ils vont se faire défoncer très rapidement. Tout ça, ça se fait défoncer très rapidement, ça aussi. Le clown, c'est pas top non plus au final. Donc c'est vraiment, ces trois-là sont vraiment bien. Sans lui, il coûte un peu cher. On a moins un avec lui, mais bon, ça coûte un peu cher. Mais vu qu'on utilise maintenant le stimulant d'absorption, ça passe beaucoup mieux parce que à chaque coup, en fait, un coup de griffe, ça fait plus 1 en bioénergie, je crois, à peu près. Et si ça vous chopez la personne, ça fait plus 3 ou 4. Donc c'est vraiment énorme. Donc c'est vraiment bien pour niveau bioénergie. Honnêtement, on n'a pas de problème quand on arrive à buffer tout le monde. Vraiment abusé, vraiment cool. Vraiment très très bien. Donc voilà, sur ça tout pour Annette et pour cette vidéo. Moi je vais aller voir si le mec il est sur Twitch, s'il est en ligne. Et on va... Je vais regarder la rediff si le mec il pétait un câble ou pas, ça va être marrant. Mais voilà, mettez pas Twitch ou TTV dans votre pseudo. Ça sert à rien honnêtement, ça fait très très con et ça fait très gamin et débile. Le faites pas s'il vous plaît, c'est moche. Voilà, c'est moche. Mais bon, c'était Annette. Annette et William Birkin. Les indestructibles. Enfin, je sais pas, les tueurs, le massacre. On a massacré.
On a massacré. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao.